Nous sommes accordés, nous Let's take our Bibles to Isaiah chapter 53. Isaïe 53. How many love Jesus this morning? Combien aime Jésus ce matin? Amen. The inspiration this morning, l'inspiration ce matin, as we take it from Isaiah 53, alors que nous prenons Isaïe 53, Brother Bram also take it from Ezekiel. Nous allons aussi lire dans Ezekiel. And we hear a lot about Ezekiel today. Nous allons entendre beaucoup d'Ezekiel. He said a true sign and the church through the torture of our time. Le vrai signe est l'Église if au you travers, can, if you can type it, do part à travers one. La torture de notre and temps. This subject is coming under the broader topic, the position of a prophet. Et cela vient sous le grand but this morning, we want to highlight on a true sign. Because Brother Branham said, a prophet is a sign to the people. Frère Branham dit, un prophète, c'est un signe pour le so peuple. A true sign and the church through the torture of our time. Le vrai signe de l'Église à travers la torture Amen. De notre temps. Are you happy to be here? Êtes-vous you came with expectation. Êtes-vous venu dans l'expectative? If you stay cold, we're going to stay longer. Et si vous êtes froid, but if you respond amen, we get out of here quick. Mais si vous répondez amen, nous allons rapidement quitter ici. Amen. Brother Colley, we didn't talk about that one. Saying Colley, amen. Nous n'avions pas parlé de ça. Amen. Sometimes, Brother Joseph, write the amen help quick, right? Parfois, all right. The true sign and the church through the torture of our time, part one. Le vrai signe de l'Église à travers la torture de notre temps. So verses 4 says, surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, afflicted. We didn't care. That's what it means. Cependant, ce sont nos afflictions qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Our Lord was going through torture, but we didn't care. Notre Seigneur passait par la torture, par la souffrance, mais nous on s'en foutait. Verses 5. But we have to care. Nous devons prendre soin. But he was wounded for our transgressions. Il a été blessé pour nos péchés. Underline all the important statements. Il faut souligner. Wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Brisé pour nos iniquités. Did we have a guest coming? Avions-nous des invités? Oh, that is the paper you brought. Okay. Also part of the announcement. Amen. All right, so maybe next time. Who is Tona and the family? Tona. La famille Tona. Oh, God bless you. Fred Amen, Tona brother. Et sa famille. Amen. All right. Dieu bénisse. Okay, let's go ahead. Alors de l'avant. He was bruised for our iniquities, chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. The church will be healed today and tomorrow. L'église sera guérie aujourd'hui et demain. There's nothing the devil can do about that. Satan ne peut rien à cela. It's already purchased for us. Cela nous a été déjà racheté. It's not something we did. C'est pas quelque chose que nous but it's everything that he did. Mais tout dépend de ce que lui il a fait. Amen. Amen. Now let's take another scripture. Prenons une autre we have a lot of scriptures. It's teaching, partly teaching and preaching. Ezekiel chapter 24, verses 24. We do this and then we take our seat. Nous allons lire Ezekiel 24, 24. Ezekiel 24, 24. Technicians, you haven't brought a title yet. Thus Ezekiel is unto you a sign. Thus Ezekiel is unto you a sign according to all that has done shall ye do. Vous ferez entièrement comme il a fait, et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis le Seigneur. According to all that he has done, shall ye do. Vous ferez entièrement ce qu'il a fait. Amen.
Amen. And when this cometh, et quand ces ye shall arrivent, know that I am the Lord, the God. Que je suis le Seigneur, l'Éternel. So you find that Ezekiel, throughout all his ministry, he was a sign. God presented him as a sign. Nous avons vu que tout au long de son ministère, Ézéchiel a été présenté. Dieu l'a présenté comme un signe. Amen. The subject, once again, the true sign and the church through the torture. Le titre de nouveau, c'est le vrai signe, l'Église à travers la torture. The sign goes through torture. Brother Abraham said it. Le signe passe par la torture. The church goes through torture. L'Église passe par la torture. Believers, we go through torture. Croyants, tu passes par la souffrance. But the Bible said, mais la Bible dit, surely he has borne our griefs. He has borne our griefs. Et il a porté notre grâce. And carried our sorrows. Et when he carried it away. He carried it away. Et il a emporté. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Et nous l'avons estimé maltraité et opprimé de Dieu. But as we are believers today, mais en tant que croyants and believers tomorrow, croyants demain, until he come by the grace of God, jusqu'à ce qu'il ne revienne par la grâce we have de to Dieu. Do what we have to do is identify with him. Nous devons tout faire pour être identifiés. We cannot do nothing and achieve nothing without identifying ourselves with God. Nous pouvons rien acquérir sans être identifiés à Dieu. Oh, somebody will shout amen. Que quelqu'un crie amen. Don't get cold. Et ne soyez pas don't froid. Worry about who came and who didn't come. Ne vous souciez pas de qui est venu. And the most important thing is for you to identify yourself with a sign. Le plus important c'est que tu t'identifies au signe. Because if you miss your sign, you miss everything. Parce que si vous manquez votre signe, vous avez tout manqué. But Abraham said all down through our scriptures. Abraham dit au travers de toute l'écriture. God has used his prophet for signs. Dieu a utilisé son he has, used his prophet for the sign for the nations. Il a utilisé son prophète comme signe pour la nation. All throughout the Bible, à travers toute God la Bible, presents his prophet as Dieu signs to the nations. A présenté ses prophètes comme un signe aux nations. Amen. Shall we bow? Inclinons-nous. Almighty God, we thank you this morning. Nous te remercions ce matin. We invite your presence, your power, présence, your spirit, your grace, esprit, your might. Ta force and the fellowship of the Spirit this morning. Ce matin, Father, I bring every negative control spirit on my feet. Let the divine love of God sweep through the building. Que l'amour let the grace of God uplift us and take us to the next level this morning. De Dieu nous amène au, let au our hearts matin, be wrapped around the word of God. Soit enveloppé par la until parole we de all Dieu. Come into the knowledge jusqu'à ce que nous venons à la connaissance of truth. De la vérité. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shall we take our seats? Pouvons-nous nous asseoir? How many appreciate God? Combien apprécie Dieu? For taking all our troubles. D'avoir pris toutes nos souffrances. Amen. For getting himself involved all these things for us. Lui-même il s'est impliqué à qui tout ce oh, chose. Oh, what a blessing. Quelle bénédiction. What a time. Brother Abraham said we are living in the wonderful time, golden age. Frère Branham dit nous vivons dans un temps d'or. We are living in the age of revelation. Nous vivons dans l'âge de la révélation. We are living in the age of invisible union. Nous vivons dans le temps de l'union invisible. The bride is gradually getting together with the bridegroom. L'épouse est en train de s'unir petit à petit à l'époux. The church is uniting with its maker. L'église est en train de s'unir à son créateur. Oh, somebody will shout amen. Que quelqu'un dise amen. He said, Brother Tony, where did you pick all this? Vous me demandez, frère Tony, où as-tu trouvé tout ceci? Well, we follow a messenger. Oui, nous suivons un and messager. And we follow a message. Et nous suivons un message. Oh, you love the Lord this morning. Aimez-vous le Seigneur ce matin? Amen. Amen. A true sign that's overlooked. Un vrai signe manqué. If you can get to that quotation, please, you have to be faster. Vous devez être rapide. We have a long way to go. Nous avons beaucoup à faire. And so stay within the time. Mais restez toujours dans le temps. Paragraph 37. Oh, paragraph 37.
Listen to what the prophet said. Écoutez ce que dit le prophète. But Abraham said, and sometimes the torture that the sign have to go through. Abraham dit parfois il y a des souffrances que doit endurer le fils. The torture go through the sign go through a torture. Le fils passe par des souffrances. The true sign and the church through the torture of our time. Le vrai signe est l'Église à travers les souffrances. Oh, you love Jesus this morning. Aimez-vous le Seigneur. You have to be shouting hallelujah this. Vous devez crier hallelujah ce matin. Amen. If you are quiet on me, it means that it's not true. Si vous êtes taciturne, but if you respond amen, it means that you have been conditioned to. Mais quand vous répondez amen, ça veut nobody dire force you, but the Spirit has conditioned your mind. Mais personne ne vous force, mais l'Esprit vous a but conditionné said, and sometimes the torture parfois, that the sign have to go through is amazing. Les tortures, we are going to get one scripture and prove what he said. Frère dit parfois les tortures que doit endurer les so that our teaching can take us back to the book of Ezekiel. Merveilleux. Nous allons retourner au livre d'Ézéchiel. Amen. Because the book of Ezekiel is a book of torture. Parce que le livre d'Ézéchiel c'est un livre de souffrance. Amen. Amen. Sometimes the torture that the sign have to go through, which means the torch, the sign, and who is the sign? Et parfois les douleurs, les difficultés que doit endurer le signe. Qui est le signe? He said the torture that Jesus went through. Il dit les tortures qu'ont enduré. He went through to prove the sign of God. Il les a endurées pour prouver le signe de Dieu. Because the sign is given to the nation. Parce que le signe a été donné aux nations. And God cannot do it all alone. Et Dieu ne pouvait le faire tout seul. So first of all, he sent a sign. En premier, il a envoyé un signe. Oh, somebody say amen. Amen. He could have raised up the stones. Il aurait pu susciter des pierres. He could have instructed the birds. Il aurait pu instruire les oiseaux. He could have used the goats to preach. Il aurait pu utiliser des chèvres. He could have used the cows. Il aurait pu utiliser des bœufs. But no. God chooses a man. Mais Dieu a choisi l'homme. And God raised him as a sign. Et il a suscité comme un signe. Oh, somebody say amen. Amen. So we find that Jonah was a sign to his people. Nous avions vu que Jean était un signe pour Jonah was a sign to Nineveh. Il était Jonas était un signe pour les Ninivites. Even though many people say Jonah backslide. Malgré que beaucoup disent que Jonas a retrogradé. Frère Branham dit, je vous assure. I disagree with those people. Je ne fais pas. Why? Je ne suis pas d'accord. Because Jonah was working according to the plan of God. Pourquoi? Parce que Jonas agissait selon le plan de Dieu. A true sign goes through God's plan, no matter what. Un vrai signe passe par le plan de Dieu, peu importe. Or where you think it's a mistake in the message? Là où tu penses que c'est une erreur dans that le message? That is just your mental attitude. Ce n'est juste que ta attitude mentale. But before God, mais devant Dieu, there is no mistake. Il n'y a pas d'erreur. Everything has to work according to His plan. Tout doit œuvrer selon son plan. God sent a sign. Dieu a envoyé un signe. But the sad thing is the sign go through a lot of torture. Mais le signe doit passer par beaucoup de souffrance. And Brother Abraham says it's amazing if you look at the torture. Et Frère Branham dit c'est incroyable, c'est effroyable. Let me tell you what, when we read the book of Ezekiel, you will be crying. Quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous allez pleurer. Or you surely be crying. Vous allez assurément pleurer. Ezekiel chapter 4 verse 3. Ézéchiel 4 verset 3. Amen. God allowed his prophet, his sign, Dieu, to go through a torture. Dieu a permis à son prophète le signe de passer and to par show the condition of des douleurs, des souffrances et pour voir la condition at that de l'église. Time, to show en the condition. Moment, pour montrer la condition whenever de l'église. God is doing something, there's a reason behind it. Tout ce que Dieu fait, il y a une raison. Brother, when pour God cela. Sends a sign, there's always a reason behind it. Quand sign. Dieu envoie un signe, il y a toujours une raison à cela. Oh, un love but the à Lord. Cela. Amen. Verses 3. Au verset 3. Let's read it together and see. Lisons moreover, take thou unto thee an iron pan. Prends une poêle de fer. And set it for a wall of the iron between and the city, and set thy face et against. Et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. The reason why all the scriptures come to us.
La raison pour laquelle toutes ces écritures nous viennent. The reason why God used that sign Ezekiel. La raison pour laquelle Dieu a utilisé ce signe d'Ézéchiel. Because God was fixing to do something. Parce que Dieu était sur le point de faire quelque chose. Against his own people. Contre son propre peuple. Why? Because they went into transgression. Pourquoi? Parce que ils ont transgressé. Oh, somebody say amen. Amen. You love the Lord. Aimez-vous le Seigneur. So moreover, okay. And set a face against it, and it shall be besieged. Dige ta face contre elle, et elle sera assiégée. Jerusalem will be besieged. Jérusalem sera assiégée. And thou shalt lay siege against it. Et tu la siégeras. Oh, somebody say amen. Amen. It might take some time. Cela peut prendre du temps. If God has spoken concerning us, don't you worry. Quand Dieu parle à propos de toi, it will take pas a minute. Et cela peut prendre des Brother, minutes. Don't sleep. It's going to take a minute. Frère, cela peut prendre des minutes. But God's word will be fulfilled anyhow. Mais la parole de Dieu s'accomplira. Oh, tell your neighbor, God's word will be fulfilled. Dis à ton voisin que la parole de Dieu sera accomplie. Oh, if you see the way Brother Branham explained the scripture. Et si vous voyez comment Frère Branham a expliqué ces écritures. It looked like I never really pay attention to this scripture before. C'est comme si tu n'as jamais fait attention à But cela auparavant. But when I come across it, mais quand vous la rencontrez, and I took my time, et que j'ai pris and the temps, Spirit of God speak to me, et que l'Esprit de Dieu m'a parlé, oh brother, it does something within me. Frère, cela fait quelque chose au-dedans de moi. Oh, by the end of the scripture, you will be amazed. À la fin de l'écriture, vous serez And that is why Barnabas said, vous serez the merveilleux. Torture, et dit, that the sign, the prophet. Les souffrances du signe du They prophète. Go through, it's amazing. Les signes par lesquels il That parle means it will sont incroyables. Blow your mind this morning. Cela peut vous rendre fou If ce matin. If it doesn't blow your mind, there's something wrong with you. Si cela ne merveille pas votre esprit, quelque chose Now, let's go to the ne va next pas verse. Bien avec let's vous. Go to the next verse and see. Allons au second verset. Now look at the sign. Remarquez le signe. Ezekiel, and look at the torch. Et remarquez aussi les souffrances. Amen. Amen. And he said, "Lie thou also upon the left side." Puis couche-toi sur le côté gauche. This is instruction to the prophet. Voilà une instruction pour le prophète. Look, if you don't have the spirit of obedience, you can never walk with God. Si vous n'avez pas un esprit d'obéissance, vous ne pouvez jamais you marcher avec Dieu. You might even think the devil is the one speaking to you Et from the pulpit. Vous pouvez penser que c'était Satan qui vous parle. Amen. He didn't say amen. Vous n'avez pas dit amen. He said, Lie thou also upon thy left side, and lay the iniquity of the house of Israel. Puis couche-toi sur le côté gauche, mais il l'iniquité de la maison d'Israël. Did you get the scripture in Isaiah chapter 53? Surely he has borne our grief, carried our sorrow, but we did not esteem him. Mais nous l'avons pas estimé. Smitten of God. Parlons de Dieu. He was wounded for our transgressions. Il a été blessé pour nos transgressions. He was bruised for our iniquities. Brisé pour chastisement nos transgressions. Of our peace. Et le châtiment qui nous donne la paix. Today you have peace because he bare all the iniquity for tu you. Tu as la paix aujourd'hui parce qu'il a porté toute ton Amen. Iniquité. He has to go through a torture. Tu devais passer par des souffrances. Now God warned Ezekiel. Mais Dieu a averti Ezekiel. A holy man. Un homme saint, a true servant of God, un vrai serviteur de Dieu, ordained from the womb, ordonné depuis le ventre, to lay on his side, à se coucher de côté, for 390 days and not move. Pendant 390 jours sans bouger. When you go to sleep one night, do you move? Quand tu te couches une seule nuit, if you don't move till the next day, it's all on my back. Et si tu ne tournes pas le second jour, tu God vas avoir des courbatures. To lie on one side for 390 days. Et Dieu lui instruit Only son the left side. À se coucher d'un côté pendant 390 jours. And when he's cooking, he's on the left side. S'il est en train de cuisiner, il est du côté gauche. And you are not surprised, you are sitting down. Et tu n'es pas surpris, tu es assis. Do you see how he bore the iniquity of Israel? Voyez-vous combien il a porté l'iniquité d'Israël? And you can imagine the agony. Et il était the en pain. Agonie, la paix, la douleur. And Ezekiel obeyed. Et Ezekiel a obéi. Do you know 390 days is equivalent to 1 year, 1 month? Savez-vous que 390 jours, c'est un an, un mois? Brother Cole, can you lie on your left side for 2 days? Frère Cole, peux-tu te coucher du côté gauche oh, pendant deux jours? Come on, somebody.
Somebody have to rise up and shout hallelujah. Come on, brother. You are sitting down. Christ bore our griefs. Christ a porté. He carried our sorrow. Il a porté but we esteem chagrin. Oh, that's nous okay. Là, it's bon. Okay. He go through all that. C'est bon, il est passé par tout cela. Because Brother Abraham said, parce que Frère Branham dit, Ezekiel was bearing the iniquity of Israel. Ezekiel portait l'iniquité d'Israël. For 390 days. Pendant 390 jours. Okay, let's read it. Maybe you say, oh, Brother, where did you get the figure from? He said, "Lao." Thou also upon thy left side and lay iniquity of the house of Israel upon it, according to the number of the days thou shalt lie upon sur le côté it. Thou shalt bear their iniquity. Mais il l'iniquité de la maison d'Israël et tu porteras leur iniquité autant de. Brother, Christianity is not cheap. Frère, le christianisme n'est pas moins cher. It's dripping with blood. Cela dégoutte de sang. Somebody has to lay his life. Quelqu'un doit sacrifier sa vie. That is why he deserved the glory. Voilà pourquoi il est digne de gloire. That is why he deserved the honor from you. Voilà pourquoi il est digne d'honneur de oh, ta Brother part. Tony, if I go to church and I just want to sit and not shout amen, what is wrong with that? Frère, I'm my own man. You are not your own man. Si somebody has bore your iniquity. Quelqu'un a porté ton you iniquité. Have to understand and appreciate. Tu dois comprendre cela et l'apprécier. Être reconnaissant. Because all of us, we parce were born in sin, shape, iniquity. We come to this earth speaking like condemned to hell. Nous avons été formés dans le péché, nés dans l'iniquité. Nous sommes venus but dans ce monde. For his sake, mais à cause de lui, Ezekiel. Ezekiel, a prophet Ezekiel lay one side, left side, for 1 year côté, and 1 month. Pendant un an, un mois. Is there anyone that can do that for y one week? Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui puisse cela? Just 1 week. Lève-toi, juste une journée. You are not working. You just lay one side for just 3 days. Tu ne travailles pas. Tu te couches de côté juste 3 jours. Okay, 24 hours. Maintenant, 24 heures. And nobody wants to do it. Personne ne veut le faire. And when it finished, God said, "It's not done yet." Et quand il a fini, Dieu dit, "Ce now n'est pas turn terminé." And turn to the right side. Tourne vers le côté droit. After this man was worn out, et après que cet homme after soit gone complètement through épuisé, the agony and pain and après torture, être passé par l'agonie, la God douleur said, et la on peine, your right for 40 more days. Dieu dit, couche-toi du côté droit pendant 40 jours. Oh, we don't have one brother that will stand up and jump and say, "Praise God, hallelujah." Il n'y a pas un seul frère qui we don't have even one. We don't have one here in the building. Brother Colley, God bless you. Frère Colley, amen. What a blindness. We got to wake up from blindness. Nous sortis de l'aveuglement. Now let's go to the next. Allons au second verset. For I have laid upon thee the years of their iniquity. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. Oh, because you are free, somebody have taken it from you. Parce que tu es libre, quelqu'un a pris. Because of somebody's blood. À cause du sang de quelqu'un. Because of Calvary. À cause du calvaire. Because of his love. À cause de son amour. When he projected his love to the very end. Quand il a projeté son amour jusqu'à la fin. Said a sovereign grace for you. Il a la grâce souveraine pour toi. That you will live and not die. Pour que tu vives et ne pas because mourir. Because somebody has taken your place. Parce que quelqu'un a pris ta place. Ezekiel bore the iniquity of Israel. Ezekiel a porté l'iniquité d'Israël. According to the number of the days, 390 days. So shall thou bear the iniquity. Go 390 jours, tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. And I'll read exactly what the prophet said. Et nous allons lire ce qu'a dit le prophète. Oh, you love the Lord this morning. Aimons le Seigneur ce matin. Go to the next. Allez au second verset. And when thou hast accomplished them, lie again. Couche-toi. On thy right side, sur le côté droit, and thou shalt bear the iniquity of the house of Judah et tu porteras for 40 days. De Judah pendant 40 I jours. Have appointed thee each day for 1,000 je years. T'impose un jour pour chaque année. Do you know how many years God wanted to, what is it, punish Israel? Savez-vous combien d'années Dieu a décidé de punir Israël? Just multiply one day 1,000 years. Multiplier un jour qui est égal à 1,000 ans. Times 390. Your math.
pendant 390 jours. Faites le calcul. These are the years Israel supposed to go through. Voici le nombre d'années qu'Israël avait supposé But accourir. For the sake of his love, mais à cause de son amour, he laid the iniquity et il a pris son iniquité and put it upon the sign. Et l'a mis sur le signe. Ezekiel didn't do anything wrong. Est-ce parce qu'il n'a rien fait de mauvais? Jesus didn't do anything wrong. Jésus n'a rien fait de mauvais. But for the sake of the bride, mais à cause, for the eternal life's sake for à you, à cause de la vie éternelle pour toi, for you to live again, pour que toi tu vives de nouveau, and live forever, et vivre éternellement, you have to find somebody, il doit trouver quelqu'un, and lay him at Calvary, l'amener au calvaire, and pierce his side, percer son côté, or somebody shout amen, que quelqu'un crie amen, so that the blood and the water, alors le sang et l'eau, together for the first time, étaient sortis pour la première fois, it gushed out of him. Cela est sorti de lui. Life came out of him. La vie est sortie de lui. And Brother Bram said that life. Et frère Bram dit cette vie. Brother, that life is not dead. Frère, cette vie n'est pas la mort. It's still alive. Cette vie est toujours vivante. Amen. Amen. And that life came upon a worshipper. Et cette vie vient sur le serviteur, and sur l'adorateur. And this worshipper has to be somebody that can recognize him. Et cet adorateur doit être quelqu'un qui le reconnaît. Oh, you don't catch the condition. Et vous n'arrivez pas à capter la condition. The condition is to recognize. La condition c'est de reconnaître. That, oh Ezekiel. Oh Ezekiel. Oh because of us. À cause de nous. And people came from far. Les gens sont venus de loin. So prophet. The prophet. What is wrong with you? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? He said because of you. Il dit c'est à cause de vous. Because of your sins. À cause de vos péchés. Look at my life here. Regardez ma vie ici. Look at how miserable I am. Regardez combien je suis Look miséreux. Look at the torture. Regardez la souffrance. Look at the pain. Regardez la douleur. And God didn't have mercy on his servant. Que Dieu ait pitié de son serviteur. Oh hallelujah. Even Jesus. Même Jésus. The agony was too much. L'agonie était tellement que. Said, Father, il dit Père. Why you have forsaken me? Pourquoi m'as-tu abandonné? Why have you forsaken me? Pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Amen. Oh, somebody will shout amen. Christianity is not cheap. Ce n'est pas quelque chose de moins cher. Christianity is somebody's life. Le christianisme laid for you. Quelque chose n'est pas quelque chose de moins cher. You have to lay your life for him. You have to lay your life for him. Vous devez aussi donner votre vie pour you lui. Have to die also for the word. Vous devez aussi mourir à travers la Brother parole. Said, that's why you have to come to Calvary. Dit, nous devons aller au calvaire. Amen. And die. Et mourir là. To your mind. Dans ta pensée. To your human intellect. Mourir à ta pensée humaine. To your carnal behavior. À ta manière charnelle. To your lies. À ta mensonge. To your crooked life. À ta vie. You have to also come. Tu dois aussi venir. And lay there. Et déposer ta vie là-bas. And when you come. Et quand tu viens. You don't want to spend 10 minutes. Tu ne veux pas passer 10 minutes. Oh, you see, you cannot spend 10 minutes. Tu dis, tu ne peux pas passer 10 minutes. Jesus stayed there. Jésus était là. All day until the time of oblation. Toute la journée jusqu'au temps de lavage. You have to stay here until the time of oblation. Tu dois aussi rester là jusqu'au temps du lavage. And sacrifice yourself. Et te sacrifier. Give yourself as a living sacrifice. Abandonner ta vie comme un sacrifice vivant. But the problem with the church. Mais le problème avec l'église. We are so carnal. Ils sont tellement charnels. We are not anointed anymore. Ils ne sont pas du tout anoints. We are not under the inspiration. Ils ne sont pas sur, ils ne sont we are not under the word anymore. Ils ne sont plus sous la parole. And what we do, ce que nous faisons, we rather turn around and torture the sign. Nous nous tournons pour torturer plutôt le signe. And Brother Abraham said, et Frère Madame dit, the reason why the people are torturing the sign, la raison pour laquelle les gens torturent, font souffrir le signe, because, c'est parce que, you know, we want to know, vous voulez savoir, because they don't pray. C'est parce qu'ils ne prient pas. I'll give you a quote. Je vais vous donner la citation. Amen. Amen. The true sign that is overlooked. Le vrai signe manqué. You can check it. Vous pouvez chercher cela. It will take us days and weeks and months. Cela peut nous prendre des jours, des semaines, des mois message. Pour finir. And another reason. Et une autre condition. Why they torture the sign? Pour la raison pour laquelle ils ont when torturé God le signe. When God sends a sign, c'est que quand Dieu envoie son signe, it's for the good of the people. C'est pour le bien du peuple. It's for the blessing. C'est pour la bénédiction. But Abraham said. Mais Frère Adam dit. Jonah.
Jonas, was a sign of deliverance. Il était le signe de la délivrance. Can't you see? Ne pouvez-vous pas voir? When he went to Nineveh, il est allé à Ninive. God said, Dieu dit, go to Nineveh. Va à Ninive. And he knew how wicked Ninevehs are. Et tu sais combien les Ninivites sont méchants. Dis Seigneur, please, s'il te plaît. Nineveh people. Nineveh people. Les Ninivites, according to the history, selon l'histoire, they attack my family. Les Ninivites ont attaqué ma famille. They killed some of my family. Ils ont tué les membres de and ma famille. Now you want me to go? Maintenant tu veux que j'aille? They are sinners, so they can change. Mais ils sont des pécheurs pour qu'ils changent. Well, why don't you just finish them? Pourquoi ne pas les exterminer en même temps? They are unbelievers. Just finish them. Ils sont des incroyables, des incrédules. Because we are the Jews. Just finish them. Il faut les exterminer en même temps. God said no, 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 no. Dieu dit non, 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 non. I am a wise judge. Je suis un juge, amen. A judge. Un juge. Sometimes he give warning. Parfois il donne l'avertissement. Sometimes you see serious case. Parfois il voit des cas sérieux. And when you have the case, et quand il reçoit le cas, he give you grace. Il te donne la grâce. But he put you on probation. Mais il te met en sursis. So we call it the time of probation. Et on l'appelle le sursis. And that time of probation is more dangerous than sometimes you are in jail. Et ce temps de sursis est parfois plus dangereux que d'être en prison. You are restricted. Amen. Brother Kelly will explain to you. You are restricted. Tu es restreint. You cannot travel outside your city. Tu ne peux pas sortir de ta ville. Amen. Amen. You cannot be among the crowd. Tu ne peux pas être au milieu de multitudes de gens. You cannot be here. Tu ne peux pas être ici. You cannot do this. Tu ne peux pas faire ceci. You cannot run the traffic. Tu ne peux pas aller dans la circulation. Somebody say amen. Amen. You Lord Jesus. Aimez-vous Jésus. But all this time, mais pendant tout ce temps, God was watching. Dieu regardait. And he said, one day, et un jour, I will come down. Je descendrai. And I myself, et moi-même, I will take the penalty of my own law. Je prendrai la pénalité so de ma propre law. So Brother Abraham said, Brother Abraham said, God took the penalty of his own law. Dieu prit la pénalité de sa propre loi. The wages of sin is life. La récompense du péché, c'est la vie. Is that what you think? Est-ce cela the wages of sin is death. La récompense du péché, but c'est the gift la mort. Of God mais is eternal life. Amen. The gift of God is eternal mais le don life. De Dieu, c'est la vie éternelle. So who is going to cancel that law, Brother Tim? Qui va supprimer cette loi? No man have that right. Personne n'a le droit. Even Jesus said, même Jésus dit, I did not come and fight the law. Je ne suis pas venu I contre did not la loi. Come and remove the law. Je ne suis pas venu enlever I la came loi. To expand. Je suis venu la magnifier plutôt. I came to deepen it. Je suis venu la rendre plus claire. So what can we do? Que pouvons-nous faire? Because we are all born under the law of sin and judgment. Parce que nous sommes tous nés sous la loi de du péché de la mort. He came. Il est venu. And he made another law. Et il fit une autre loi. It's called the law of grace. On l'a appelé la loi de la grâce. So now he projects his love. Et il a projeté sa loi. God wants to get somebody. Dieu veut attirer God quelqu'un. God wants to get a bride. Dieu veut avoir l'épouse. So he has to project. Alors il devait projeter. He made another law. Il fit une autre loi. Something more greater than the first. Quelque chose qui est plus grand. Oh, somebody que say le premier. Amen. When I see the blood, quand je verrai le sang, I'll pass over. Je passerai par-dessus vous. The only way, the only way, et la seule voie, is by the blood. C'est par le sang. Because without the shedding of blood, parce que sans l'effusion de sang, there is no remission. Il n'y a pas there de rémission. There is no forgiveness. Il n'y a pas de there pardon. There is no freedom. Il n'y a pas de liberté. So you can see. Alors vous pouvez voir. Ezekiel after 390 days. Après 390 jours. Maybe the left side here. Peut-être que de ce côté-ci. His body was almost rotten now. Ses os sont presque épuisés. Ezekiel knew better not pourri. To turn a little bit. Hein? He knew better not to turn. Et il because sait, God said, lay there. Dieu dit, couche-toi là. Today in America, if God give this instruction. Si Dieu donne cette instruction aujourd'hui aux États-Unis, everybody take their Bible and say, oh, okay. Tout le monde va passer à Dieu. Lord, bon. If this is your law, then I'm gone. Seigneur, si c'est ça ta loi,
Alors, sois seul, moi je m'en vais. But we are the bride. Mais nous sommes l'épouse. We have to obey God's law. Nous devons obéir à la loi de Whether Dieu. Whether you like it or not, you must obey God's law. Que vous l'aimiez ou pas, vous devez He obéir said, à la loi de how Dieu. How can we obey the law? Et comment est-ce que nous allons obéir à la loi? God's law, la loi de Dieu, to a believer today, pour le croyant aujourd'hui, it's not on the tablet. Ce n'est pas sur des tablettes. It's not on something. Ce n'est pas sur quelque chose. But it's written in our hearts. Mais c'est écrit dans nos cœurs. Amen and amen. Amen. God said, "I'll write my laws in your heart." Dieu dit, j'écrirai mes lois dans leur cœur. You love the Lord. Aimez-vous le Seigneur? Let's go back to the quotation. Retournons à la citation. You love Jesus. Aimez-vous Jésus? Now let's go to. Allons. He said the torture that Jesus went through. Il dit la souffrance que Jésus a endurée. To prove the sign of God. Jésus a enduré la souffrance pour prouver le signe de Dieu. That he was the Messiah. Qu'il était le Messie. He proved it and proved it and proved it. Il a prouvé et reprouvé. Even when he went to the to Samaria to the to, what is it to the well. Quand il est allé en Samarie. The well of Samaria when Jesus went there. Quand Jésus était allé au puits de Samarie. He met a woman. Il a rencontré une femme. And Father Abraham said, God gave Messiah sign to the woman. Et Father Abraham dit, Dieu a donné le signe messianique à la femme. And immediately, the woman recognized the sign. Et la femme a reconnu le signe. But God has given the sign to the bride. Mais and many people don't want to recognize the et sign. Et beaucoup ne veulent pas le reconnaître. Oh, somebody say amen. The woman said, I perceive. La femme dit, je perçois. My father told me, mon papa my uncle dit, told me, mon oncle m'avait Jesus dit, said, the one that you are speaking to, he is he. Et Jésus lui dit, I am he. Parle, je suis and celui-là. The Bible said, immediately the woman ran. Et la parole dit aussitôt, la femme a couru. He went to the city. Elle est allée dans la ville. And he said, everybody come and see her. Venez voir. Come and see. Venez voir. If this man is not a sign. Si cet homme n'est pas le signe. If it's not the Messiah. Si ce n'est pas lui le Messie. And when they came. Et quand ils vinrent. And they heard the wisdom. Et ils ont entendu la sagesse. So we heard the woman, but now we have heard it ourselves. Nous avons entendu de la femme, maintenant nous avons and entendu. And they recognized the sign. Ils ont reconnu le signe. It's about time for the bride to recognize the sign of God. Il est temps que l'épouse reconnaisse le signe de Dieu. If you dishonor your sign, si vous démentez le your life is destroyed. Votre vie sera détruite. Because every man, every woman, every time, every generation, God sent a sign. Parce que à chaque femme, à chaque homme, à chaque âge, à chaque génération, and Dieu if you overlook signe. Your sign, you will die. Et si vous ratez votre signe, you vous allez mourir. Perish. Vous allez périr. Somebody say amen. Amen. See, voyez the torture that Jesus went through proved the sign of God que Jésus that a he was the Messiah. Let's go to verse. Qu'il était le fils de Dieu, le Messie. Amen. The true sign that overlooked. Le vrai signe qui a été raté, manqué. Pharisees, they came, right? Les pharisiens étaient venus, n'est-ce pas? And when they came, mais quand ils vinrent, they said, Master, il dit, Maître, show us a sign. Montre-nous un signe. If you are the Messiah, si tu étais le Messie, we need a sign from heaven. Nous avons besoin d'un signe du ciel. Did God give them a sign? Dieu leur avait-il donné un signe? Yes, he gave them a sign. Oui, il leur a donné un signe. He said, I have no other sign, but mais il dit, il ne vous a pas donné un autre signe of the prophet le Jonah. Signe du prophète Jonas. He likened himself to Jonah. Il s'est comparé à Jonas. Because Jonah was a sign of deliverance. Parce que Jonas était le signe de la délivrance. To Nineveh. Amen. Pour Ninive. Oh, alléluia. Amen. Amen. Jesus. Jésus. A sign. Il était un signe. To our salvation. Pour notre salut. A sign to our eternal inheritance. Le signe de notre héritage éternel. You have to recognize it now. Vous devez le reconnaître before it's too late. Avant qu'il ne soit tard. Well, not everybody going to have the sign anyway. Parce que ce ne sont pas tous qui auront but un signe if you de have toute the sign, they have to. The sign have to be in you. Mais si vous devez avoir un signe, le signe doit être en vous. There have to be identification with a sign. Il doit y avoir une identification we aussi. We find out this young prophet by the name Ezekiel. Nous voyons que ce jeune prophète appelé listen to Ezekiel, what the prophet said by Ezekiel. Ce que ce constantly. Ah, constamment. Amen. Constamment. The woman. La femme. Hallelujah. Amen. The Zarephath woman. The Zarephath. La femme. When God sent Elijah there. Quand Dieu a envoyé Élie là-bas, la the femme. The woman was praying. La femme priait. He knew something had to happen. Elle savait que quelque chose devait arriver. He said, my Lord. Il dit, mon Seigneur. He said, give me something to eat first.
Donne-moi à manger premièrement. The woman didn't argue and said, oh, la femme n'a pas gentleman, you discuté, are not considerate argumenté. At all. You come to see me, the old man, old woman. Toi, jeune homme, tu ne respectes pas les gens. Ne peux-tu m'avoir moi une vieille femme comme you, ça you est are asking me to prepare this last one for you first. Et tu me demandes de préparer ceci, notre dernier, à toi premièrement. But the woman said, mais la femme dit, my Lord, mon Seigneur, hallelujah. You have to give honor to whom honor is due. Vous devez donner honneur à celui qui est digne d'honneur. But Abraham said, Abraham dit, a sign is not without honor. Il n'y a pas de signe sans honneur. What you understand by a sign? Prophet. Vous comprenez par le prophète. But his own people. Mais son propre peuple. His own country, he has no honor. Son propre pays. Dans son propre but pays, il n'a pas d'honneur. Every sign have to have an honor. Mais chaque signe doit avoir. Oh, I don't care about the prophet. Peu you don't honor. You don't honor pas. What God sent to you. Tu ne, pas ce que Dieu t'a envoyé. You rubbish it. Tu le, no, tu I won't do that. Ça. Je ne fais pas ça. Hallelujah. Amen. A prophet is without honor. Un prophète sans honneur. Can you say amen? Pour vous dire amen. In his own home country. Dans son propre pays. They will never honor it. Ils ne vont jamais l'honorer. Jesus, they never honored him. Ils n'ont pas honoré Jésus. But look at the Gentiles. Mais regardez les gentils. That is why he crossed his hand. Voilà pourquoi il a croisé sa main. That the Gentile bride come in also. Pour que les gentils aussi entrent. At the end of the church age. Après les 30 jours. Which is the last church age. Qui est le dernier de l'église. Which is the Laodicea church age. Qui est l'âge de l'Odyssée. The lukewarm church age. L'église tiède. The church that God have already spilled out of mouth. L'église que Dieu a déjà vomi de sa bouche. For Brother Abraham said, Brother Abraham dit, every prophet in his third pool, chaque prophète dans son troisième pool, is to the total loss. C'est pour ceux qui sont damnés. It will not even make sense. Cela ne fait même pas de sens. Why it doesn't make sense? La raison pour laquelle like the days of Jonah, au jour de Jonas, like the days of Noah, au jour de Noé, because God already crossed them, they crossed the line. Parce qu'ils ont déjà they crossed the line of grace. Ils ont déjà dépassé so la ligne it doesn't de grâce. Matter how much you preach again. Alors, peu importe combien vous prêchez. When Noah went into the ship, quand Noé est rentré but dans Abraham le bateau, said, from Adam D, Noah was a sign that was tortured. Noé était le signe qui a été torturé. You don't know I was tortured. Savez-vous que Noé a they connu said la souffrance? Bad things against him. Ils ont raconté des blasphemous things against him. Des blasphèmes sur lui. He said, Noah. Il dit Noé. You are neurotic. Tu es your mind, you are crazy. Tu souffres de la démence. Noah, God have never spoken to you. Noé, Dieu ne t'a jamais parlé. Noah, you are not scientific. Noé, tu n'es pas scientifique. We brought our signs and they did everything. They said there's no rain out there. Nous avons amené nos scientifiques qui t'ont désapprouvé qu'il n'y a pas de pluie là-bas. Never rained. Parce qu'en ce moment, il n'a jamais plu. Noah never gave up. Mais Noé n'a jamais abandonné. But he continued to preach. Il a continué à prêcher. He said, I'm not lying to you. Il dit, je ne vous mens pas. He spoke the word. Il a parlé la parole. You can never stop God's sign. Vous ne pouvez jamais arrêter la main you de can Dieu. Never stop God's word. Vous ne pouvez jamais arrêter la parole you can de never Dieu. Stop the Holy Ghost. Vous ne pouvez pas arrêter le Saint-Esprit. Whatever he has said, he will do. Ce qu'il a décidé, il le fait. He said the rain will come. Il dit, il pleuvra. The flood will come. Il aura l'inondation. He said, Noah, le déluge. Tell, give us the date. So when it's about time, we all come in. Noé, donne-nous la date. Alors, de manière à ce que quand le temps arrivera, nous allons venir. Noé dit, that one, he didn't tell me. En ce qui concerne la date, il ne m'a rien dit. But when the time came. Mais quand vient le temps. When they have come to the red line. Quand ils sont arrivés à la ligne rouge, at that time, en ce moment, no amount of message will save Noah people. Il n'y a plus un taux de message qui peut sauver les gens au temps de Noé. God spoke to Noah. Dieu parla à Noé. Noé. Now it's about time. Il est presque temps maintenant. Don't go out and preach anymore. Ni ne va plus prêcher. But Abraham said, Abraham dit, the third pool, le troisième pool, is to the total loss. C'est pour les gens qui sont complètement perdus. It cannot help them. Cela ne peut plus les aider. But it's for the few. Mais c'est pour le peu. Amen. Amen. It's not for the public show. Ce n'est pas un show public. Revelation of
The seventh seal. La révélation de cette chose. Malachi 4. Malachi 4. Saint Luke 17:30. Inspiration. Inspiration. Luke 17:30. As rather, they have turned it down. Ils l'ont rejeté. And it's with God's people. Et c'est avec le peuple de Dieu. The bride is being reconciled with it. L'épouse est en train de se réconcilier avec ça. We are being reconciled with it. Ils sont en train d'être réconciliés. It's bringing the invisible union right now. Cela amène l'union visible maintenant. So Noah. Alors Noé. When Noah entered the ark. Quand il entra dans l'ark. It was according to God's instruction. C'est selon l'instruction divine. Noah stayed there for 7 days. Et Noé restait là pendant 7 jours. And God shut the door. Et Dieu ferma la porte. Let me tell you, the door is already shut. Et je vais vous dire que la porte est déjà fermée. Oh, you don't believe it? Ne croyez-vous pas cela? It's already shut to the denomination. La porte est déjà fermée sur les dénominations. Well, you don't believe that. Pourquoi vous ne croyez pas cela? Already dried. Déjà. Amen. Amen. The wheat had to separate from the shock. Le grain doit se séparer de la balle. The wheat had to pull out. La grain doit sortir. And lay under the bright, powerful sun. Et rester sous of le Son of Man ministry. Sous le ministère du Fils de l'homme. And it has brightened the life of believers. Et cela a it has shaped the life of believers. Croyants. It has transformed the life of believers. Cela a transformé la lumière du croyant. But to the denomination. Mais à la dénomination, darkness. C'est l'obscurité totale. It's not my word. C'est pas ma parole. It's according to God's word. C'est selon la parole de Dieu. He said at the evening time. Il dit au temps du soir. There shall be light. Il y aura de la lumière. So we find out here. Et nous voyons ici. That this young prophet by the name Ezekiel. Que ce jeune prophète appelé Ézéchiel. Constantly. The word constantly means. Constamment veut dire tout le temps. Became a sign. Devint un signe. All the time. Tout le temps. How he tortured himself. Comment qui s'est torturé? One place here we find quelque where part he lay on his left side for 390 days. Gauche pendant 390 see, jours. See how the prophet. Voyez-vous le prophète? We didn't know the scripture. Ne connaissions pas les écritures. How he pick it. Mais nous devons prendre cela. And bring it into the seals. Et l'amener sous les seaux. And show the condition. Et montrer la condition de l'église. Amen. Amen. See, voyez-vous, 390 days, 390 God told jours. Him to get some beans and some pottage, put it all, we didn't have time to read everything, and put it all together, cook it up, and lay it by his side, and when it's eaten by his side. Dieu lui a ordonné de prendre quelques fruits et autres pour préparer. Et il va les manger étant toujours couché de côté. What about if you want to even go and just get some shower? Is it easy? Et qu'en est-il d'aller prendre un bain? You will see how the prophet went through. Vous pouvez imaginer ce qu'a enduré le prophète. Amen. Now, and lay it down by his side and go lay on the tile and maintenant, lay on his left side côté, and côté alone and not turn over ne pas tourner for 390 days pendant 390 and think jours of it. Et pensez à cela. Oh, there are a lot of things in the Bible, brother. Il y a tellement de choses dans la Bible, frère. A lot of mystery in the Bible. Tellement de mystères dans la Bible. Amen. Amen. And said, turn over on the right side and lay there for 40 days again. Et tourner vers le côté droit et rester là couché pendant 40 jours. And he said here, what et do you see? Ezekiel, que voyez-vous, said, Ezekiel because dit, of, parce que because you are bearing the iniquity tu of portes the people. Les iniquités du peuple. Can you see it? Pouvez-vous voir cela? Each day will I count for a year for them. Bring. Je compterai un jour pour being that un apport every eux. Day he lay there. That means a year. Étant couché là-bas, they had to be in captivity. Et and vous that devez compter their iniquity la will be remembered to God. Et de manière que leur iniquité soit and God will not hear their prayers no more. Souvenu devant Dieu. What, whatever God said happened. But the tout torture. Oh, the torture that man had to go through. Mais les why? Que doit endurer cet homme, why pourquoi? Would
that be necessary? Pourquoi cela était-il nécessaire? Many have wondered why would such a thing be necessary? Pourquoi pareille chose devait être nécessaire? Because you never know God's plan, brother. Parce que vous n'avez jamais connu le plan de Dieu. You see, the Muslims they say, ask, oh, vous savez, les musulmans disent, why does Jesus have to die? Pourquoi Jésus devait-il mourir? And that is why, no, Jesus didn't die. Et Jésus, c'est pourquoi ils disent que Jésus n'était même pas mort. If you don't believe that He is the Lord, the Bible says you die in your sin. La Bible dit si vous ne croyez pas qu'il est le Seigneur, if you didn't believe that He came and died for you, you would die in your sin. Vous allez mourir dans votre péché. Because you fail to recognize that sign. Parce que vous avez manqué de reconnaître ce signe-là. The Pharisees, les pharisiens, he gave them a sign they didn't see. On leur a donné un signe, ils n'ont pas vu. He said, have no other sign but the sign of the prophet. Il a dit, il n'y aura pas d'autres signes. But Abraham said, it was he was giving them a sign of resurrection. Pendant Dieu leur avait donné le signe de la résurrection. 3 days. 3 jours. So you see, Jonah resurrected from the whale. Vous allez voir que Jonas était résurgé de la. But Abraham said Jonah rose from the whale. Du gros poisson. All hope was gone. Tout espoir était perdu. Maybe Jonah's wife and children. Oh. Peut-être la femme et les enfants de Jonas disent pleuraient. Oh. They were crying for him. Ils pleuraient pour lui. But God was dealing with his prophet. Mais Dieu travaille avec son prophète. He was bearing the iniquity of the people. Il portait les iniquités du peuple. And because of the sin of Nineveh. Et à cause des péchés de Ninive. God's noble prophet. Le noble prophète de Dieu. Had to sleep in the belly of a fish. Devait dormir dans le ventre d'un gros poisson days, pendant 3 jours, 3 nuits. Because of your sins. À cause de tes péchés. Your lying. À cause de tes mensonges. Your lost spirit. À cause de tes convoitises. Adultery. De fornication, d'adultère, de la tricherie. Abortion, de, all manner of evil, toutes sortes de mauvaises. All because of that, tout à cause de cela, he came and died. Il est venu mourir. And he spent 3 days, 3 nights. Et il a passé in trois the grave, dans le tombeau. God Himself, Dieu lui-même, God's own creative blood, le sang créé de Dieu that lui-même, He made a temple for Himself. Et il s'est créé un temple pour lui-même. Because of our sins, à cause de nos péchés, he came and died. Il est venu mourir. Because of our sicknesses, à cause de nos maladies, he came and died. Il est venu mourir. Because of our pain, our à cause trouble, de nos douleurs, he came and died. Il est venu mourir. So somebody will shout, amen. Amen. Many wondered why. Beaucoup se demandent pourquoi. Would such a thing be necessary? Pourquoi ceci devait être nécessaire? Now listen. À un homme, but Abraham said. Abraham dit. I said it, but just je l'avais déjà dit. He said. Il dit. Because parce que that the people won't read the word. Les gens ne lisent pas la parole. But why is it that the Pharisees they were reading? Et pourquoi est-ce que les pharisiens eux lisaient? Brother Abraham said they can read until they use a needle to show you where a scripture. Brother Abraham dit ils peuvent lire jusqu'avec une aiguille, ils peuvent vous montrer où se trouve une écriture. Every prayer time they are in the temple. À chaque heure de prière, soit dans le temple. Why didn't they see Brother Colley? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas vu, frère Colley? Every line proved that Jesus the Messiah is there. Chaque ligne prouvait que le Messie Jésus était là. But Abraham says it was the spirit of blindness. Brother Abraham dit c'est à cause d'un esprit d'aveuglement. And then the age. Et dans l'âge. The Laodicea age. Dans l'âge de l'Odyssée. The spirit is lukewarm. L'esprit c'est tiède. Do you know lukewarm? Savez-vous tiède? Water, something that is not hot. Ce n'est ni chaud. Just like you go and make a tea and you make it lukewarm. C'est if you are tu not careful, you go and throw out. Un thé et puis tu le fais de manière tiède. Si if you want a hot, just drink a hot. Si vous voulez un if you want thé, drink it un thé chaud. Cold. Si vous voulez le boire, put some ice in it. Drink it cold. Mettez de la glace dedans. Christian, et we have to be hot. Nous devons être chauds. We have to be on fire. Nous devons être en feu. We have to be fireballs. Nous devons être des boules de feu. So why is it necessary? Pourquoi est-ce que c'était nécessaire? It's because the people won't read the word. Parce que les gens ne vont pas lire la I parole. I challenge you that somebody may be here the whole week he didn't read. Et je veux vous défier que quelqu'un parmi if he has time, he go on the social media. Hein? Et il est temps d'abandonner. Social media have taken all your time. Les réseaux sociaux prennent tout votre temps. Oh, social media will blind you. Les réseaux sociaux vont vous it aveugler. It will blind you from the things of God. Ils vont vous aveugler des choses de Dieu. But it's about time for you to wake up. Il est temps de vous réveiller. Amen. 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 Alléluia. Oh, Kossi, we're closing now. On s'en fout. We're closing. Nous allons vers la fin maintenant. You love the Lord. Aimons-vous le Seigneur? Isn't God so wonderful? Dieu n'est-il pas merveilleux? To give us somebody
Matthew chapter 11, verse 7. Let's look at this. Matthieu 11. We didn't touch many things. N'avons pas touché assez de choses, mais. Matthew 11, 7. Matthieu 11, 7. Now, as they departed, Jesus began to say unto them, to the multitude, concerning John. Jésus a commencé John par la parole de Jean parce qu'il était un signe. So he began to talk about him. Alors il a commencé par parler de lui. Talk about the sign. Il parle du signe. Oh, the sign for this age. Le signe pour ce âge. It's Malachi 4. C'est Malachi 4. And Jesus told them. Et Jésus leur dit. What went out into the wilderness to see? Qu'êtes-vous allé voir au désert? Because they were coming to him. Parce qu'ils venaient vers lui. They were coming in their numbers. Ils venaient en grand nombre. People haven't come to him like that before. Et les gens n'étaient jamais venus vers lui de ce nombre-là. So what when you went to the wilderness, what did you see? Alors, il leur posait la question de savoir. Did you quand see vous a reed? Qu'avez-vous vu? Avez-vous vu un riche? A reed is a plant. Avez-vous vu un réseau? Kind of very light, soft, waving plant. C'est un réseau. Tall, un réseau. Can grow very un, when the wind blows. Qui a reed peut facilement balancer, agiter. Shaking with the winds. Un roseau agité par le vent. This is a parable. Ceci est un He was parable. Giving them a parable. Il leur a donné un parabole. Let's go to the next. But what went out to see? Qu'êtes-vous allé voir? A man. Un when you went out, did you see a man? Avez-vous vu un homme? When you went to the wilderness, you saw a man with a beautiful, soft garment avec like des, a royal. Avec des habits précieux royaux. John the Baptist wasn't he a royal? Jean Baptiste n'était-il pas royal? Wasn't John the Baptist his father a high priest? Son père n'était-il pas un grand sacrificateur? Do you know how the high priest had a dress? Savez-vous comment s'habillaient les grands sacrificateurs? Do you know how their children are supposed to also be dressed? Savez-vous comment leurs enfants étaient supposés s'habiller? God himself ordained the high priest they dress more beautiful royal even than the kings. Les grands sacrificateurs s'habillaient mieux que même les rois. So royal. De manière royale. If you see their garments. Quand vous voyez leurs habits. Why? Because they come and minister before the presence pourquoi? Of the parce Holy qu'ils, God. Ils allaient rendre service so dans the la high présence priest de Dieu. And their children like Aaron and his children, how they should dress, they comport, how they should talk. Everything was in order. Amen. Le grand sacrificateur comme Aaron et ses enfants. But why John the Baptist manière, is an exception? De certaine manière. Mais why this man is an exception, John? Pourquoi est-ce que Jean faisait l'exception? Why is it different? Pourquoi était-il différent? So what did you go out and see? Qu'est-ce qu'on allait voir? A cloth in a soft clothing, un homme vêtu garment, d'habits précieux, like velvet, nice. Comme du. You remember Africa, old velvet woman, the dressing. When you look at, you stand there, look, my beautiful soft clothing. Comme la soie. He said, when you went there, did you see that? Comme la soie. They that wear soft clothing are in the king palaces. Ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. In the king palaces or houses. Ils étaient dans la maison des rois, dans le palais royal. Amen. Let's go to the next. But what went out to see? Qu'êtes-vous allé voir? What have you seen this morning, brother? Qu'as-tu vu ce matin, frère? What exactly have you seen with this message? Qu'as-tu exactement vu dans ce message? Amen. When you came and believed in the message, what made you to believe? Quand tu as cru le message, qu'est-ce qui t'a amené à croire? Did you see a prophet in a White House somewhere, always something like that? Dans, but he was a wilderness man. Mais c'était un homme du désert. God don't change his plan. Dieu ne change pas son plan. In the days of Moses, au jour de Moïse, he was in the wilderness for 40 years. Il était dans, au désert but Abraham said, God took every wisdom of Egypt. Dit, Dieu lui a enlevé toute la connaissance de, he de took John the Baptist out of his father. Et il a pris Jean-Baptiste de son père. So that he would not think like his father. Pour qu'il ne pense pas comme son père. You know the way his father was thinking. Vous savez vous comment pensait son père? I am old and je suis vieux. This and that. Ceci et cela. No, as soon as John the Baptist
Aussitôt que Jean-Baptiste, he was a little boy, God took him. Il était un petit garçon, Dieu l'a enlevé. Over there, allez là-bas, in the wilderness. Dans, au désert. Alléluia. Go and control the snakes. There. Go and control the snakes there. Allez. Come on, say it. Va contrôler les serpents. If you go wilderness, what do you see? Quand vous allez au désert, que voyez-vous? In the night, c'était monkeys and all that. Go there. Va là-bas. In the midst of it, I can speak to you. Et là-bas, je te parlerai. Because the ministry that is coming, parce que le ministère qui arrive, it's not something we can joke with. C'est pas quelque chose dont on va s'amuser. You have to separate. Vous devez vous séparer. But Abraham said, every man that walk with God to separate himself from the things of the world. Marcher avec Dieu doit se séparer. Separate your thing, your life from the friends that will not get you anywhere. You got to separate. Vous devez vous séparer. Because the word of God calls for total separation from every form of unbelief. Parce que la parole de Dieu appelle à une séparation totale avec l'incrédulité. Then he spoke to him. Et il lui parla. So as soon as he saw the Messiah, aussitôt qu'il vit le Messie, he had an encounter already. Il a déjà eu une rencontre avec lui. Behold. Voici. How does he know? Comment a-t-il su? Alléluia. Because Jesus was, he came as a Jew. Parce que Jésus était venu comme un juif. His face, son visage, the way his beard, sa barbe, his la manière hand, de s'habiller, sa chevelure, walking, ses doigts, sa démarche, la manière dont il portait les habits. Ce n'était pas différent des pharisiens. And they were coming in their millions. Et ils venaient en millions. How did he know? Comment ont-ils su? That he was different. Qu'il était différent. If John the Baptist had made one mistake, si Jean-Baptiste avait fait une seule erreur, the church will not be there. L'église ne sera pas là. The church will be gone. L'église serait perdue. John the Baptist cannot make mistake. Jean-Baptiste ne peut pas faire d'erreur. Brother Abraham cannot make mistake. Brother Abraham ne peut pas faire d'erreur. Because he has to also introduce the bride. Parce que lui aussi va introduire l'épouse. Brother Abraham said, I have a ministry like Eliezer. Brother Abraham dit qu'il avait un ministère comme Eliezer. That is why you can see the ministry. Voilà comment vous pouvez voir le ministère. Of Malachi 4. De Malachi 4. Even denominations who don't like us. Même la dénomination qui ne nous aime pas. They fear to attack. Elles ont peur de nous attaquer. Look at the Pentecostals. They don't bring their matter on message people. Regardez les Pentecôtistes. Ils ne s'attaquent pas aux gens au courant du message. These Brahmites, when you meet them, they will show you the Bible. Hey, so ces branamis, ils vont te montrer la Bible. Assemblies of God is, hey. Les appelés de Dieu, ils disent, non. If you see their book with the eagle, don't read. Si vous voyez leur livre avec l'aigle dessus, ne lisez pas. Pastor Atto told me, late Pastor Atto. Le feu pasteur Atto m'a dit his ça. His pastor said, il dit, le pasteur dit, the youth have been going, they have been exiting to the message. Il y a les jeunes pentecôtistes qui venaient dans le message. Because the only message that can take a Pentecostal out, le seul message qui peut enlever un pentecôtiste, c'est Malachi 4. Amen. They said, if you see any book with an eagle, si vous voyez quelque livre avec l'aigle dessus, don't go and ask questions. Ne posez pas de questions pour poser ça et ne lisez pas. Laissez-les. Pope. Le pape. Pope John Paul. Jean-Paul. Brother, can you know it? What country? Somebody tell me. What country did he go? Dans quel pays était-il allé? Malawi. Say it. Malawi. Oh, Malawi. Malawi. He went to Malawi and raised our message. We said. Il est allé au Malawi. Il a soulevé. Somebody give me. Le. Il a soulevé. Une brochure Malawi, du message au Malawi. With the eagle. Il dit le livre avec l'aigle. It was in the newspapers all over the world, and he said, "This is our enemy." Et il a dit, voici notre ennemi. Young man, are you sleeping? Jeune gens, vous dormez? He raised your message. Il a soulevé votre he message. Said, your message is the enemy. Ce message est votre ennemi. So what is the message? C'est quoi le message? Somebody tell me. Quelqu'un puisse me dire it's cela. A sign to c'est the le signe. An indictment to the denominations. Et une accusation pour la dénomination. So as I close. Pour terminer. Philadelphia Church Age. Age de Philadelphie. It doesn't have paragraphs. But if you go to Philadelphia Church Age. Quand vous allez dans l'âge de
à de l'église de Philadelphie pour terminer. Same thing that happened in the life of Elijah. La même chose s'est passée dans la vie d'Élie. God raised up Elijah for the Gentile church. Dieu a suscité Élie pour l'église des gentils. We will continue the subject. Do it. Nous allons continuer ce sujet, aller en série. Oh, somebody say amen. Amen. You love Jesus. Aimez-vous Jésus? The technicians, are you ready? Les techniciens sont-ils prêts? Philadelphia Church Age, if you can. Age de Philadelphie. It doesn't have. Let me see if I can pull it. If not, I'll just tell the story. Oh, you love Jesus? Wonderful. Aimez-vous Jésus? C'est merveilleux. Oh, you love Jesus. Amen. I just type something so I can pull the quote. J'ai juste un peu de temps pour voir la citation. Okay. Trying to. Oh yeah, I think I have it here. Okay. I have it in the church. Je l'ai dans. It's page 308. We're close. Nous allons terminer avec ceci. Église de Philadelphie. Brother Abraham said, but the revelation of the Godhead is back. Mais la révélation de la divinité est de retour. You have to be happy. Vous devez être content. Now, the true church, la vraie église, can build in strength again. Peut retrouver sa force de nouveau. After all this time, après tout ce temps, she finally know who her Lord is. Elle a finalement connu qui est Once son again, Seigneur une fois de we nouveau. Are baptizing in the name of the Lord Jesus Nous Christ. Baptisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Just as they did at Pentecost. Juste comme ils l'ont fait à la Pentecôte. Not the Pentecost organization churches, no. Pas l'organisation pentecôtiste. Non. Not the Pentecost organization, there are women wearing pants. No. Pas l'organisation pentecôtiste où les femmes portent des pantalons. Non. Elles ne portent, et ils ne parlent pas de l'organisation pentecôtiste. They are talking about Pentecost experience. Ils parlent de l'expérience de la Pentecôte. But Abraham said, "Let me tell you." Et Abraham dit, laissez-moi vous dire. A God-given dream I had about the Trojan baptism. Baptism of the Father, the Son, the Holy Ghost. J'ai eu la révélation. It's against God's word. Le baptême, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est contre la parole de Dieu. He said in the name. Il dit au nom. He didn't say names. Il n'a pas dit les noms. Because they believe three gods. Parce qu'ils croient dans trois dieux, dans la divinité, ou bien trois personnes dans le même Dieu. Dieu en trois. That's idol worship. Ça c'est l'idolâtrie. God can never be three. Dieu ne peut jamais être trois. Come on, somebody to say amen. Que quelqu'un dise amen. But Abraham said the Godhead revelation. Abraham dit la divinité, la révélation. Giving us peace. Nous donne la paix. But it's one God. Mais c'est un seul Dieu. In three offices. Dans trois offices. In the office, he was a father. Dans l'office de père. He moved from the office. Il a quitté cet office pour devenir le fils. It's just like a mechanic who is c'est juste comme un mécanicien. Mechanic here. Il est mécanicien ici. Tomorrow, mechanic. Demain, husband. Mécanicien. Tomorrow, a mechanic. Époux. A guitarist. Et après demain, mécanicien, guitariste. How many persons? Combien de personnes? It's only one, brother Colin. Une seule personne. It cannot be three. Cela ne peut pas être Same trois. Thing. Même chose. God took the office as a Dieu son. A pris l'office comme un signe.
Then he took another office. Et il a pris un autre office. So now, maintenant, he said, let me tell you of God-given dream I had about Trent baptism. This was not a vision, but a dream. You know, ceci n'est pas une vision, mais we have to un speak rêve. Parce que one of the blessings of the church, je suis sûr, l'une des bénédictions is to receive dreams de l'Église, c'est de recevoir des rêves if I read this, par le Saint-Esprit. That will take us another, maybe another 30 minutes. Let me just recap the story. Je vais faire une récapitulation simplement. So Brother Abraham said in this dream, Frère Balan dit dans ce rêve, he saw a woman, frail, une femme, frêle, smallish woman kind of, svelte, une petite, a woman genre that de don't femme, look strong. Qui n'est pas and du Brother Abraham said that woman looked like my mother, but Frère Balan dit not. Qu'elle ressemblait à sa maman, mais n'était pas sa maman. It looked like the mother, but it's not the mother. Elle ressemblait à sa maman, mais n'était pas sa maman. Then he saw another man. Alors il vit a giant, un autre homme, un géant, a very strong man. Un homme très fort. And the man also looked like his father, but no. Et cet homme-là aussi ressemblait à son père, mais n'était pas son then père. Then he saw, and it happened at 3 a.m. Et cela se passait à 3 heures du at matin. At 3 a.m., a lot of things happened. À 3 heures du you matin, have, beaucoup de choses se passent. Notes. The spiritual man, you know what I'm talking about. Les spirituels savent ce que je dis. That's why it's good you wake up and pray. Voilà pourquoi c'est bien de se réveiller et prier. And so, alors, one day we preach on the hour of prayer. Un jour nous prêcherons sur les heures de prière. Ou bien so the man supposed to be my father, great, il avait kind of supposé être mon père. Then this man have a club. Et cet homme and a club is a three-cornered avait une, club. How many have seen a club before? Avait une montre qui avait trois côtés. When, trois I, when côtés. I read it, I said, man. Quand j'ai lu cela, j'ai dit, oh. But Abraham is oh. a true prophet. He's a spiritual man. Il avait un fouet de if you're a spiritual man, you know what a trois club côtés. Is. Si vous êtes un homme spirituel, vous saurez ce qu'est who un fouet. Who know what a club is? Qui ne sait pas ce qu'est un fouet? It's a weapon of Satan. Yes. I've seen it myself. Je vais me garder weapon de cela. Of Satan. Three cornered. Un fouet à trois and, lignes. Oh, sorry. And this man was beating, striking the woman. Et and cet homme frappait la femme. Weak. Et la femme devint si faible. And the woman would be crying. Et elle pleurait. Then the woman is trying to wake up, trying et to la get, femme essaie de se away. Relever. But the more he tried, this man, this mais wicked plus man, elle essaie de se relever, cet homme le, la battait davantage. Keep beating this man. This la, la battait, la frappait. So Brother Abraham said, all of a sudden. Frère Branham dit soudainement. He had compassion. Elle, il lui la compassion. And he was scared because the man is il avait kind peur of very parce que cet homme était très fort et géant. So Brother Abraham said, no, I'll Frère go Branham and dit, fight this man. Je vais aller combattre cet homme. So as soon as he went, aussitôt qu'il est allé, he saw that his muscle has become stronger than this man. Il vit que ses muscles étaient devenus plus forts que cet homme-là. Brother Abraham said he hit him. Brother Abraham dit qu'il a il lui a donné un coup. So when he came out of the dream, et quand il est sorti du rêve, he didn't understand before. Il n'a pas compris auparavant. Then he said the Holy Ghost came and explained. Alors dit le Saint-Esprit est venu le lui expliquer. He said this three-cornered que club, ce fouet à trois côté, is the Trine baptism. C'est le baptême trinitaire. The doctrine of Trinity. C'est le, la doctrine de la Trinité. See, the doctrine of Trinity is the seal of the denomination. Do you know le, that? La, la doctrine de la Trinité, c'est le sceau de la dénomination. If somebody, maybe your family people believe in the Trinity, call them. And si tes give parents, them the Bible bien quelqu'un teaching. Parmi tes parents, croient dans la Trinité, appelez-les. Ils sont perdus. Ils sont perdus. La if Trinité. I say, bring your Bible and show me Trinity, can you? Si je dis, amène ta Bible, montre-moi la Trinité. Show, can you? Pouvez-vous? Peux-tu? It's a man-made doctrine. C'est une doctrine purement fabriquée it's, de main d'homme. It's born out of hell. Cela est né de l'enfer. So Brother Abraham said, Abraham dit, he rescued the woman. Et il a sauvé la femme. But the interpretation God told him. Mais l'interprétation que Dieu lui a donnée. That man que cet homme is a doctrine. C'est une doctrine. That is pushing the church down. Qui est en train de what church? Denominational church. Qui est en train de faire de faire tomber l'église. But God sent a sign. Mais Dieu a envoyé un signe. This end time, God has sent us fin, a sign. Nous a envoyé un signe.
A super sign. Un super sign. Malachi 4. Malachi 4. Revelation 10:7. Apocalypse. A message. 17:30. A true message to come and rescue us. Un vrai message pour venir nous sauver. From the death of Satan. Des griffes de Satan. God bless you. Dieu bénisse. Shall we stand? Tenons-nous debout. He is here. Il est ici. Oh, how many will appreciate God this morning? Combien apprécient Dieu ce matin? How many believe that God sent a true sign? Combien croient que Dieu a envoyé un vrai signe? The true sign that the world has overlooked. Le vrai signe que le monde a raté, a manqué. God has sent a message. Dieu a envoyé un message. In this Gentile era. Dans ce temps des gentils. That we will not walk in blindness. Pour que nous ne marchions pas aveuglement. But we will walk in the light. Mais que nous marchions dans la lumière. He's here. Oh, say, Lord, we thank you. Dis, Seigneur, thank merci. You for the word. Merci pour la parole. Thank you for the quickening power. Merci pour la puissance thank vivifiante. You for the message. Merci pour le message. The true sign and the church through the torture of our time. Un vrai signe et l'église it à travers it doesn't matter the torture. Peu importe it doesn't matter the persecution. Peu importe la persécution. It doesn't matter the troubles. Peu importe les difficultés. We are God's people. Nous sommes le peuple de Dieu.